Et salut à tous, on se retrouve pour la suite du championnat 2000 de Formule 1 au Grand Prix du Canada après un double abandon, vous l'avez vu la dernière vidéo. Alors voilà, vous avez vu que la voie a changé, donc normalement ce sera peut-être la voie définitive. Encore un petit peu à régler peut-être pour certains trucs, mais normalement c'est la plus correcte. Hein. Donc c'est parti, on va faire une séance de qualification. On va se soucier de faire mieux. Quitter l'équipier de Johnny Herbert à Sauber en 97 de Stellarini. Techniquement, il y en a eu deux. Hein. Il y a eu aussi Fontana. Même si, bon, Fontana n'a pas eu beaucoup de succès. Allez, c'est parti. GoTrack, on va faire GoTrack pour découvrir un petit peu le circuit. Et cette vidéo est la première faite après déménagement. Voilà. Donc, nouvel environnement, pas encore totalement mis en place, mais pour vraiment l'avantage que j'ai maintenant, c'est que je vais avoir l'écran de la télévision qui va être branché sur le côté, et qui est déjà branché d'ailleurs, qui peut me permettre par exemple de jouer sur un écran, enfin c'est comme si j'avais deux écrans finalement. Et ça peut me permettre peut-être pour certains jeux justement de... Ouh, surprenage ! De pouvoir avoir moins de problèmes de partage de fenêtres en fait. La période dans ce jeu, c'est vraiment les chicanes parce que en fait on freine un peu trop fort ou pas assez. Et du coup, on se retrouve à partir au freinage dans le mauvais, la mauvaise zone, soit trop à l'extérieur, soit trop à l'intérieur. Par exemple, faut que je découvre où je vais freiner. Ouais, ça m'a l'air d'être ici, c'est pas mal. Allez, on va faire un premier tour. Bon, cette fois-ci, il va falloir... enfin, ne pas abandonner, hein. C'est déjà minimum. De la sortie de piste. Le fameux mur extérieur, il y avait beaucoup de pilotes qui se plantaient à l'époque. Comme le celui de Bienvenue au Québec d'ailleurs. Et le sponsor Honda, je me rends compte, il est toujours positionné au même endroit. Toujours à la sortie ici. Alors, je pense que cette chicane, c'est une des plus difficiles à passer. Enfin, en tout cas dans le jeu. Ouais, chicane plutôt bien prise. C'est vraiment le premier début, le premier virage que j'ai eu du mal à négocier. Ouais, je pense que j'ai gagné du temps. Voilà, par contre, je pense que j'ai perdu un petit peu de temps. Bon, j'avais 2 secondes d'avance, donc c'est pas mal. Ouais, 2 secondes d'avance toujours. Bon, après, j'ai pas avancé le temps, hein, donc je suis le premier à faire un chrono. Et sur la ligne d'arrivée, il va y arriver une 16, une 17, une 18, 2 secondes 4 de mieux.
Et on va voir combien ça nous place sur la grille de départ. Ils sont en 1.15.4. Alors va, une quatrième, bravo. On va partir 16e. Bon, les pros toujours, toujours aussi loin. Bon. Bon, attention, un passeur embroché dès le début. Bon, ce circuit me fait très peur. On a perdu des places en plus, on a perdu une position sur une arrose. Il a carrément pilé avec la rose. Ouais, je me méfie, hein. Chaque virage. Leading the race is Michael Schumacher, lap 2. David Coulthard leads. On va faire attention, on va pour progressif. De toute façon, on a 8 tours encore à faire, pas 9 tours. J'ai l'impression qu'il dit banana en fait. Bananas. Je tape le mur. On va essayer de le passer sur l'extérieur ici. Ouais, parfait. Oh, il est rapide. Hein. Allez, on passe. On a meilleure accélération. Fasse attention. Attention à mon équipier, c'est pas le moment de s'accrocher.
Oh, il m'a repassé largement. Allez, sixième. Bon, je lui pique une position. En train de remonter tout le monde, c'est parfait. On va tirer tout droit. Ah, j'aimerais permettre à mon équipe de passer, là, en ralentissant un petit peu, mais... On va viser la victoire, hein, plutôt. Ah bah qu'on oublie à s'arrêter au stand. Je pense que je m'arrêterai au tour 6. Ça dépend un petit peu devant si j'arrive à la rattraper ou pas. Parce que plus je m'arrêterai tôt, plus je risque de retomber dans le trafic. C'est bon, on est passé. On est bien remonté, hein. On est deuxième. Ouais, je peux pas passer là, c'est impossible. C'est pas le moment de tout perdre avec un des... Avec un dépassement hasardeux. Yes, on a pris la première place. Vous avez vu, en qualif, ils sont quand même beaucoup plus rapides que nous, et en course, bah, on est pareil. Enfin, au moins au même niveau qu'eux. Un peu bizarre, je trouve, d'ailleurs, le sponsor Formula One au début du deuxième secteur. Ça fait penser au logo Formula One de la version bêta de F1 97. Ah, j'ai aucune vitesse de pointe, hein. Peut-être que je pense à m'arrêter au stand bientôt. Alors je vois qu'il y a safety car, peut-être qu'on peut l'utiliser, je sais pas, je sais que c'était possible dans le 99, mais dans le 2000, je me souviens pas, je pense que oui. Ouais, je perds du rythme. On va rentrer au stand maintenant. Once again, the Williams lead. But this year, support comes from Jenson Button, a young British driver who's made the move up from Formula 3. Williams will be hoping that BMW engines can push them back to the levels of success they enjoyed a few years ago. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. He wants a very prompt pit stop to regain his impressive lead. Michael Schumacher has the lead. The Ferrari looks very good. Lap 7. David Coulthard gets away again. He's got a lot of work to do. It looks like he's down to 13th.
Je pense qu'il faut... J'ai appuyé sur le bouton, j'aurais pas dû. Parce que là j'ai rien changé hein, dans les stands, je crois que j'ai fait ça, j'ai fait un arrêt pour rien là. Il faut que je m'arrête à nouveau. Oh putain. Ah oh, ben voilà, pas eu trop de temps. Faut que je rentre au stand à nouveau. J'ai pas eu trop de temps là. Ah ben la chance qu'on va perdre la course. As Giancarlo Fisichella and Alexander Wurz continue their partnership. Schumacher decides to make a pit stop while he's in the lead. There's Frentzen. He pulls into the pits while he's in sixth. Michael Schumacher gets away again. He's got a lot of work to do. He rejoins in fourth. Heinz Harald Frentzen is leading. We're on lap 8. Look at Jos Verstappen. As he enters the pit lane, he's lying 12th. Mika Salo gets away again. He's got a lot of work to do. He rejoins in 12th. Ah, ça marche beaucoup mieux avec des meilleures gommes. La vitesse de pointe, hein, on commence à la regagner d'un coup, là c'est beaucoup mieux. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Oh la Ferrari. Ah, c'est Frentzen qui est en tête. Oh putain, Frentzen. Oh, il m'a fallu un shortcut. Bon, j'ai réussi à réduire un petit peu leur, leur écart. Heinz-Harald Frentzen a le luxury d'entrer dans les pits en premier place. Jarno Trulli. Ouh, Schumacher il m'a fait peur là. Attention. Allez, il reste deux tours à faire. Eleven. Wow. Il lui reste deux tours pour remonter. Bon, il y aura des gommes fraîches, hein, Frentzen, mais pour le moment, ça va pas super bien. Ah, il n'y a plus qu'un tour à faire après celui-là. Coulthard could well be on the podium. On va peut-être enfin renouer avec la victoire. C'est pas gagné avec l'arrêt perdu. Heureusement que c'était Canada, hein, parce qu'on gagne du temps dans la voie des stands. Donc on n'a pas la chicane à faire, on ressort tout droit. Quoique non. Eh non, non, pas dans cette version. Cette version, on ressort juste à côté. Mais bon, on coupe quand même la première chicane dans tous les cas, donc on gagne du temps. Mike est le quatrième, Fisichella, Schumacher, Villeneuve. Joueur de Frentzen. Diniz 10. Allez, on va arriver dans, dans la fin du dernier tour. Schumacher should take 6 points.
Oh, comme il est remonté, Schumacher! Oh la vache! Ah oui, d'un coup, là, ils remettent la pression. C'est jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, il fallait pas relâcher. Et c'est la victoire pour Yano Trulli. Ouf. Bon. On va faire front-end. Et on va voir du coup le classement, classement actuel. Bon, on s'en sort bien pour une fois. C'est un peu le dents de scie, hein. Soit on gagne, soit on termine dernier. On a fait le meilleur chrono du jeu. Ce qui est bête d'ailleurs, puisqu'on voit que j'ai fait une 16-5, mais en qualification, j'étais en 1-15. Alors, donc du coup. On manque 10 points. Schumacher 2ème, Coulthard 3ème, Barrichello 4, Hakkinen 5h26, qui marque encore un point pour Jaguar, décidément. Il s'en sort bien, l'Irlandais. Et au classement contre pilote, on est remonté en deuxième place, on est deuxième, alors plus que 2 points d'écart sur Schumacher, 3 points d'avance sur Hakkinen, avec le Coulthard de coude à coude, Irvine 8 points, Frentzen n'a pas marqué de points malheureusement. Et au niveau constructeur, bah, on est troisième, mais bon, comme je vous dis, c'est très compliqué de remonter avec une seule voiture qui manque des points sur deux, enfin, une parfois manque des points, mais bon, assez rarement. Et toujours le nombre de pilotes de constructeurs qui n'ont pas marqué. Hein. Et pour le moment, l'étonnement vient de chez Jaguar, hein, quatrième. Et on se retrouvera donc pour la suite du championnat pour le Grand Prix de Manicourt. Nigel Mansell, hein, l'Apricorne en 92. Bon, entre temps, le circuit a un peu évolué, il me semble, mais ça m'étonne pas. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.